Bienvenue dans The Paranormal Urbex, épisode 2. Eh oui, il fait jour. C'est même dans la chauve-souris, hein. Je pars rarement de jour. Mais là, on part de jour dans un hôtel totalement abandonné, désaffecté, où il y a eu un drame auparavant. C'est souvent comme ça. Et donc, Steph va vous raconter ce qui s'est passé. Merci aux donateurs qui nous permettent encore d'être ici. On a 2 heures de route, c'est pour ça qu'il fait encore jour actuellement. Et donc, je donne la parole à Steph qui va vous expliquer l'envers du décor. Stéphane, are you ready? Parfaitement. C'est de l'anglais, je crois que tu comprends. Ouais, exactement. Ça veut dire tout va bien. Oui, c'est ça. C'est ce qui me semblait. Alors, raconte-nous un peu l'histoire de cet hôtel. Donc, on a été, été contacté parce que c'est un hôtel où il y avait un couple. Le propriétaire, en fait, avait refait sa vie avec une femme qui avait un fils qui était adolescent. Il devait avoir 17 ans par là. Il ne pouvait pas se puer avec le beau-père, quoi. Donc, ouais. Il y avait très souvent des débordements, enfin, d'après ce qu'on nous a raconté. Ouais, ils s'embrouillaient tout le temps. Ouais, ouais. C'est ce qu'ils disaient, quoi. Ouais. Apparemment, il y avait régulièrement des interventions de gendarmerie, etc. Bon, bref, pas. Ouais. Et ça allait vraiment pas. Et un jour, vraiment, ça a été vraiment trop loin parce que, naturellement, le beau-fils, tu vois bien, il y a 17 ans, on joue un peu le coq. Ouais. Voilà, et puis, bon, il voulait pas, certainement pas se laisser faire. Alors après, je sais pas qui est en tant que raison, on cherche pas, on s'en fout. C'est clair. Mais un coup de beau-père, c'était vraiment très loin. Et il lui a mis à peu près 123, je crois, couteaux, d'après ce qu'il disait, quoi. Ouais, c'est carrément énorme. C'est un truc de malade. Ils ont fait du steak haché. Ah non, mais là, il en a fait du steak haché lui-même, quoi. Enfin, parce que voilà. 123 en plus, c'est le même, c'est le numéro du répondeur. Ouais, en plus, ouais. Il l'a mis sur répondeur quelque part. Je crois bien, ouais. Ouais. Donc il l'a décroché. Non, mais bon, voilà. Apparemment, depuis, le beau-père était en prison, s'est suicidé en prison, d'ailleurs, parce que derrière, il acceptait plus. Ah, c'était la totale. Ouais. Ah, mais c'était carrément un calvaire, quoi, derrière. L'hôtel a été fermé, puis squatté, délabré, et apparemment dedans il y aurait des choses qui s'y passent, quoi. Après j'en sais pas plus, c'est pour ça d'ailleurs qu'on va se rendre sur place voir un peu exactement si En tout cas ça a fait fermer l'hôtel, hein. L'hôtel est fermé, c'est dommage, parce que ouais, ça a été délabré, puis squatté, tout ça, et squatté mais pas trop longtemps, parce que voilà, quoi. Ouais. Les gens paniquaient, donc ils se sentaient vraiment pas bien. Alors est-ce que... On va voir ce qu'il y a. Voilà. Si on est là pour ça. Exactement. On a beaucoup de route. Ouais. Ça fait déjà une bonne heure qu'on roule. On a encore, il nous reste à peu près 2 heures encore. Une heure. Encore une heure. On a à peu près à 2 heures. Une heure et demie, ça fait à peu près. Ouais. 2 heures et demie. J'avais calculé. Ouais. Bon, allez, c'est parti. Ok. Bon, on a réussi à trouver une place assez loin. Ouais. On vient en toute discrétion parce que il y a la route et l'hôtel, on est obligé de traverser une partie de la forêt. Et l'hôtel est juste de l'autre côté de la route, donc... Ça y est, là, il fait bientôt nuit. Il fait bientôt nuit, ouais. Okay. On va pouvoir y aller. Il faut qu'on fasse attention en traversant un peu. Ouais. Allez, c'est parti. Discretos. Mmh.
le fou. T'as vu ça? Sérieux, je ressens déjà, il y a quelque chose déjà aussi. Sérieux? C'est clair. C'est... Il y a de mauvaises ondes ici. T'as vu l'endroit, comment il est? C'est fou quoi de... Je me sens pas bien. Comme ça peut être abandonné. Je me sens très oppressé. Ça va pas là. Il y a quelque chose. C'est peut-être de l'appréhension. De toute façon, on va y aller. Et même ce qu'on va faire, c'est qu'avant qu'il fasse totalement noir, on va faire une petite prière d'avance. C'est incroyable. Je le sens pas. C'est un truc de... Non, c'est un mauvais endroit. Je comprends mieux. Ouais. Ouais, je comprends mieux. Bah, tu m'étonnes, attends. Je comprenais pas la personne, mais maintenant... Je comprends vraiment ce qu'elle nous disait au téléphone. Ouais. Là, je te dis, je le sens pas. Ouais. Ça me prend, j'angoisse. Je sens une forte angoisse, mais c'est incroyable. On va aller faire une petite prière avant d'entrer dans ce lieu. Ouais. Et après, on attaque. Je pense que ce serait mieux parce que j'ai pas envie de rentrer comme ça. T'as pas l'air bien, déjà. Je sais pas. Non, tu le sens pas, c'est très lourd. Honnêtement, non, et je dois dire que depuis tout à l'heure, j'angoisse, c'est mortel. Depuis tout à l'heure, je suis concentré sur le cadrage quand même de ce que je fais. Honnêtement, j'ai jamais ressenti ça. Pourtant, on a vécu des trucs assez fortes, machin. Là, je ressens un truc de malade, c'est fort. On va pas rester ici trop longtemps non plus parce qu'il y a la route qui est juste à côté. Vous voyez, donc, la route, elle est juste derrière là. Quoi? On va prier devant, je rentre pas comme ça. Vas-y, on va prier. Et on va prier pour notre protection dans ce lieu. On voit Steph déjà qui commence à se sentir mal. Moi pour l'instant ça va. On va faire un Je vous salue Marie traditionnel et puis elle fera le reste. Voilà. Nous vous saluons Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, protège-nous, Sainte Vierge. Ok, petite prière normale et on attaque. On va rentrer. La nuit commence à tomber et les sensations commencent à arriver. Ça va ? T'as connu mieux. L'hôtel est juste derrière. On va rentrer et on va voir. Là, il y a une forte inquiétude, je vous le dis. La pression est en train de monter d'un cran pour nous. C'est un truc de fou. Plus j'avance, là, plus je me rapproche et moi je me sens bien. En fait, mon cœur là, il s'emballe. Ouais. Je suis pas bien. Il faut pas rester là non plus trop longtemps, il y a des voitures pas très très loin et on peut se faire griller. Ouais, mais je le sens pas, je te le dis franchement. Tiens, une chauve-souris, deux chauves-souris. Oh. Ça c'est des collègues. Ouais, les infréquentables, là, je vous le dis. Rien que de derrière, hein, ça, c'est... Enfin, rien que de dehors, c'est hyper impressionnant quand on y est. Je dirais plutôt hyper chargé. Ouais. Moi, honnêtement, je ressens rien, mais on peut s'attendre à tout dans un lieu pareil, quoi. Ouais. Allez. Je vous amène avec moi les infréquentables. C'est parti. C'est The Paranormal Urbex. Ça va aller ?
Ouais. T'as encore une chauve-souris. Je le savais. Je le sais. T'as vu, regarde. Le machin a bougé là. J'ai vu bouger. Je l'ai pas eu. Je l'ai pas je eu. Te dis, j'ai vu bouger. J'ai entendu, mais je l'ai pas eu. Ouais, là, là, je te le dis, moi j'ai vu bouger. Je te dis, c'est chargé ici. C'est chargé ici. C'était le frigo là. C'est, ouais, ouais, c'est ça, c'est un frigo. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Oh putain! Je viens de l'avoir. Dit, je viens de l'avoir. Je l'ai. On rentre là-dedans. Ne vous inquiétez pas, nous sommes venus en paix. Nous sommes venus en paix. Ça va? Non, ça va pas. T'imagines, on n'est même pas encore rentré. Ça commence déjà, tu sais. Non, je te dis, je le sens pas. Je suis pris là, je suis pris à l'estomac, tout. Je le sens pas. J'ai les jambes, elles flageolent. Je me sens oppressé depuis qu'on est arrivé, tu sais, vers la route en bas. Ouais. Je me sens oppressé. Ouais. Regarde le machin, il a bougé. Ouais, carrément. Putain. Et il faut y aller, hein. Il faut y aller. Je le sens pas. Je le sens. Allez, courage. On est avec, on est avec Dieu. Il peut rien nous arriver. Rien du tout. On y va. Sans, j'ai l'impression qu'il veut communiquer que c'est. Il y a quelque chose qui se passe là. Je le sens. C'est il faut vraiment qu'on y aille. Allez, go! Putain, mon gars. J'ai la bouche, ça me fait halluciner. Nous sommes venus en paix. Si vous avez quelque chose, un message à me faire passer, à nous faire passer, n'hésitez pas, mais ne nous agressez pas. Nous sommes venus ici. On fait une émission, on s'appelle The Paranormal Urbex, on fait une émission sur Internet. Tout simplement, nous sommes venus ici voir s'il y avait du monde et prier pour vous, tout simplement. Ne nous agressez pas, simplement, nous sommes là en paix. T'as vu la croix renversée et le pentagramme? Je sens pas depuis le début, depuis le bas. Je te dis, c'est mauvais. Je le sentais pas déjà d'en bas. Et t'as vu les croix sataniques? Qu'est-ce qu'il y a là? Par hasard, waouh, tout est défoncé. Vite, voilà quoi. Ouais. Je le sens pas du tout ici. Je sais pas, j'ai froid, je suis pas bien. Je sais que c'est plus facile à dire, mais on est vraiment là pour ça, tu vois. Vraiment. Il y a même une croix juive là-bas. Ouais. Une étoile juive, pardon. Volé juste à côté de moi. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Tu l'as pas vu? Il a volé juste à côté de toi et de moi. J'ai senti un truc passer. Oh putain, j'ai flippé, bordel. Et recommencez pas ça. C'est une pierre là comme ça qui a valdingué. Wow. Je sais pas c'est quelle pierre là, mais. C'est quoi qui est parti ici? Putain. J'ai vu le truc. On va essayer d'aller dans d'autres pièces. On va voir. On va visiter un peu. Nous sommes venus en paix. Ne nous agressez pas. Si vous avez quelque chose à me faire passer, appelez-moi. T'as vu quoi? T'as vu quoi? J'ai vu mon. Oh putain, c'est la glace. C'est peut-être bien qu'il n'y a pas de temps, non? Peut-être, je sais pas. Oh, j'ai vu en passant, on m'avait dit c'est là. Oh la flippe. Putain. Fais gaffe, regarde le plafond, il est dégueu.
puisse aboucher la porte. Ouais. C'est space. Regarde, c'est tout pété. T'as vu les murs comme ils sont glauques. Miroir cassé. Ça, visage de mal. C'est de la superstition, mais quand même. Et puis ça, qu'est-ce que ça fout là? Je sens vraiment mal la serrure. Pas bien. C'est chaud. D'Amityville. Tu te rappelles dans The Paranormal Urbex, le premier épisode, pareil, je me sentais mal, j'avais envie de dégueuler, tout ça, j'étais pas bien. C'est ce qui m'arrive. C'est trop beau. Putain, un coup c'est toi, un coup c'est moi. J'ai envie de partir de là. J'ai envie de partir. J'ai l'impression qu'on a besoin de... C'est bizarre. J'ai peur qu'il y ait un truc qui vole. Il y a des trucs bizarres. C'est quoi? C'est des crottes de souris, de rats? J'ai entendu un bruit juste ici. Là. Il y a un truc derrière moi qui a bougé. T'es où? Je suis là. C'est-à-dire, ça parle de Dieu. Garde-moi ton sein, Seigneur. Oh putain. Quitte cette maison, Seigneur. Au nom du Christ. Au nom du Christ. Je sens que nous ne sommes pas les bienvenus, mais tu ne peux pas nous attaquer. Nous sommes en Christ. Au nom du Christ, ne nous agresse pas. Oh putain. Et ça s'est mis à frapper d'un coup, tu sais. T'as vu ça? Regarde-moi ça. Je suis en train de choper la chair. Viens, on est vraiment pas les bienvenus, on va se faire virer comme l'autre jour. Putain, j'ai trop envie de voir quand même. On a eu des fois. Faire virer comme l'autre jour. Eh, ça commence à nous agresser. Ça a tapé là-bas. Le frigo a bougé, Morgane, putain. Je le dis, je le sens pas. Qu'est-ce que t'en penses? Eh, mec, on est comme. Compris. On est habitué. On va continuer. Viens, on va à l'étage. Il faut compris. Oui, mais on va aller à l'étage. Calme-toi, attends. Mais t'as vu les trous? Tu vas aller à l'étage, t'as vu les trous, on va passer à travers. Là, viens, on regarde. Là, c'est du solide, là. On va tester. Allez, on y va. On grimpe. Allez, gros. Attends. Qu'est-ce qui va nous arriver, franchement? Si t'es avec Dieu, qu'est-ce qui va t'arriver? Bien sûr. J'y vais. Seigneur, protège-nous. Seigneur, bénis cette maison, Seigneur. Seigneur, mon Dieu. Attends. T'as entendu quelque chose? Je l'ai entendu en bas. Il y a un truc. Quelque chose. Il y a un truc juste derrière moi, en fait. Il y avait des crottes de souris aussi, peut-être. Une souris, ça pousse pas un frigo, mon gars. Une souris, ça balance pas des cailloux. Non, rarement. Ou alors vraiment une souris bodybuildeuse. Ouais, je pense. Les gars, par. C'est là, ça a l'air de craindre. Allume, s'il te plaît, parce que je comprends. T'as vu la laine de verre? Ouais, fais gaffe, Morgan, moi je serai pas. On va pas là-bas. Non, on va pas, laisse tomber. Non, t'as vu la laine de verre. T'as vu les carreaux pétés là-bas? Ouais, mais regardez, trop dans le sol, t'sais, laisse tomber, t'as vu merdier, t'sais. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? On se attaque. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est. Tu t'es pris un truc? Ouais, j'ai senti tomber. C'est quoi cette merde? Y'a un truc qui a explosé, c'était quoi? C'était quoi? Moi j'en sais rien. C'est pas une plaque de merde, putain, j'en sais rien. Regarde le tout, rien de plafond. Y'a un truc qui est tombé. Ah ouais, un truc de plafond. Y'a un truc qui est tombé. Ça, c'est de poussière, ça gicle partout. Putain. Ça t'a touché? Ah non, ça m'a pas touché. Non, ça va, je crois que ça va. Ça va? Ouais, je crois, ouais. S'il vous plaît. Putain. Nous ne vous voulons pas de mal. Nous allons prier pour toi, pour vous. Seigneur Jésus, il faut que tu bénisses cette maison. Et puis après, on s'en va. On ne peut pas nous laisser comme ça. Voilà, c'est comme ça. On va juste faire une petite prière pour vous, tranquillement. Ne laisse pas comme ça, Seigneur, s'il te plaît. Putain, c'est...
C'est quoi ça, sort d'où ça? Fichier. Seigneur, bénis cette maison. Excuse-moi là, je sais pas, je crois que c'est pas ça là qui se casse la gueule. Putain. Seigneur, il faut que tu bénisses cette maison. Ne laisse pas nous agresser et nous faire du mal, Seigneur. Garde cette maison, Seigneur. Garde-nous surtout. Protège-nous. T'as vu, il y a des têtes de démons là, tu sais. De démons, ouais, je t'ai dit, t'as vu le truc en bas. Regarde là. Tu te rappelles de lui? À gauche là? Waouh! Ça fait penser à un truc. Des trucs des gamins là, tu sais. Ouais. Quand ils prient. Quand. Je sais plus ce qu'ils font là. Putain. Regarde. S'il vous plaît. Regarde au fond là-bas. Il y a une sorte de gueule. Regarde au fond. C'est quoi ça? C'est une gueule! Vous êtes qui? Ça, on voit mal, on voit mal. Regarde au fond. À la caméra, on voit mal. Putain, c'est quelqu'un, ça là, bas, regarde. S'il vous plaît, venez vers nous. Venez vers nous. Putain, je te dis, regarde, c'est une gueule. Viens, on y va. Ça fait bizarre. Là. Ouais, non, mais regarde-toi, regarde le truc. On va tous prendre sur la tronche. Déjà, on se fait attaquer depuis tout à l'heure. On y va. Allez. Je vous garantis que ce qui se passe là dans cette maison, c'est... Bénis chacune de ces pièces. Ça paraît facile quand on le voit comme ça chez vous, tranquille, mais je vous garantis que c'est... Putain, mon gars, je te jure. J'ai les tripes là. Je sais ce que tu ressens. Je sais ce que tu ressens. T'as vu encore une étoile là. Encore une étoile, je viens de croix. Ouais, croix en Asie, tout, putain. 666. Les mecs, ils viennent s'éclater. C'est... Regarde, 666. Ouais. T'as vu ça? Putain. Vraiment... Ah non, laisse tomber, regarde. Là, oh là. T'as vu le pentagramme encore? Ouais, ouais. Regarde. Ouais, ouais. Juste devant toi, là. Putain, j'ai vu un truc passer aussi, là. T'as vu quoi? En bas, là. T'as vu quoi? Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un truc où c'est peut-être ta lampe, leur flamme. Parce qu'il y a des glaces aussi, là. Je veux pas montrer. T'as vu, et mais franchement, il y a du satanisme. Pourquoi les mecs viennent vraiment faire des pentagrammes? Seigneur, bénis cette maison. C'est quoi ce bruit? Je sais pas, j'entends un drôle de bruit. Putain, mon gars, c'est quoi ce truc? Putain, c'est quoi ce truc? Il y a quelqu'un qui vient de passer. Je l'ai vu. Tu as vu? Je l'ai vu. T'as filmé? Ouais, je l'ai filmé. Une ombre. Putain, une ombre. Quoi, une ombre. Vous êtes qui? C'est une ombre. Au nom de Jésus, vous êtes qui? Nous voulons bien mal. Si vous voulez nous faire passer un message, faites-le. On est là pour vous aider. Putain, mon gars, il y a quelqu'un qui est passé. Fais gaffe à toi. C'est quoi ce bruit là? Je sais pas. Non, c'est un bruit. Là, c'est un bruit sourd à l'intérieur. Putain. C'est quoi ce truc de fou? Putain. On vous a parfaitement vu. Ouais, mais regarde. Et il allait dans la direction de là, là à ce niveau-là. Ouais, soit ça descendait, en fait. Moi, je crois que ça descendait là, en fait. Non, mais il n'y a rien, tu vois. Ça monte. Juste, regarde, c'est juste un genre de placard. Je sais pas quoi. Si ça se trouve, ça monte, là, en fait. Là, ouais. Ah, ça se peut. Seigneur. Seigneur, protège-nous. Garde-nous en ton sein, Seigneur. Ah, je crois qu'il n'y a rien. On est sur la protection de la Vierge. Il a fallu, je vois rien. Putain, putain. Chut. Chut. T'as entendu? Ouais. Ça grogne. Ça grogne, c'est comme ça. Ça grogne. C'est un bruit sourd, c'est ce que j'ai entendu juste avant. Non, y'a rien. Non. Là, c'est pas bon du tout. Attends, laisse-moi monter. Là, c'est pas bon du tout, je te dis, ça grogne. C'est quoi, j'ai une idée, je vais te passer la caméra et on va mettre en place un petit projet. Ouais, j'entends, j'ai entendu. Je te le dis depuis le début, on n'est pas le bien. Il y a trop de phénomènes bizarres ici. Purée, c'est incroyable. Regarde, pourquoi il y a un seul jeu de carrelage là? C'est bizarre ça. Une rotigeante et une salle de bain, je sais pas. Ouais. C'est chelou.
va tester un truc. C'est parti. Ouais. Ok, on va faire une prière finale, Steph. Et puis après, on se casse. De toute façon, on a eu pas là pour mourir non plus. Ouais. Donc, moi, je te dis, de toute façon, je le sens pas depuis le début. Écoute. Ouais, ça grogne, j'ai entendu. Ça grogne. Je te dis, j'ai l'impression que ça vient plus du haut. Je crois que c'est vrai. Limite de derrière, toi. Ouais, c'est ça le truc. Nous allons donc faire une prière avant de partir. Putain. Morgane, c'est quoi? Putain. Je t'avais dit, tu vois, je savais qu'il y avait. J'ai senti direct, tu m'as dit pareil. Derrière toi, ouais. Fouah. Nous allons prier. C'est quoi ce truc de malade? Putain, c'est quoi ce truc de merde? Et on s'en va. Nous allons vous lire 2-3 versets pour vous. C'est un sacramental, d'accord? Vous allez avoir... Putain, il y a des trucs bizarres, là, Morgane. Vous allez, si votre cœur est suffisamment vivant, vous allez avoir une lumière qui va vous apparaître et vous pourrez partir. Ce monde n'est plus à vous. Nous sommes prédicateurs catholiques et nous allons... opérer cette prière. Putain, sérieux, je... Fais vite, Morgane, parce que je me sens pas bien. Il faut rester calme, absolument. Non, mais je me sens pas bien. Romains, chapitre 12, verset 3. Car par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de pensée supérieure, celle qu'il faut avoir de soi-même, mais de penser de manière à être sobre d'intelligence selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Viens. Attends, il me reste encore deux versets. Ouais, mais viens il me reste encore deux versets. Attends, éclaire-moi, je vois pas. Venez au milieu, car... s'il te plaît. Hein? Je le sens pas là. Car, comme nous avons de nombreux membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi... Nous qui sommes nombreux, nous sommes un seul corps en Christ et individuellement membres les uns des autres. Et vous qui êtes actuellement encore sur terre coincés, nous sommes venus vous dire... Il y a des sons putain de bizarres. Qu'on pense à vous et qu'on veut vous, et qu'on vous appelle à partir de ce lieu. Rejoignez cette lumière. Ce monde n'est plus à vous, et vous le voyez bien. C'est inutile de... Ça sert à rien de nous agresser. C'est inutile de rester ici, vous perdez juste votre temps. Vous voyez bien que cet immeuble, cet hôtel se casse la gueule, et ça sert plus à rien de rester. Dans quelques dizaines d'années, il n'en restera plus rien. Ça se refroidit l'atmosphère depuis tout à l'heure, c'est énorme. T'as prié, tu sais quoi, quand t'as lu la Bible, quand t'as lu la Bible, ouais. Chantais des trucs, ça grognait, et en moi, je. T'es pas bon. Je te le dis franchement, faut qu'on se casse. J'y sens. T'entends ça, ces grognements. Des grognements de malade. T'as entendu ça? Viens, on descend. Viens. C'est parti. Fais gaffe à toi. Putain. T'es à côté de toi, mon gars. Ouais, je sais pas, j'ai entendu. Putain, on dirait des machins qui... Putain, fais gaffe. Putain, Seigneur Jésus. Putain, fais gaffe, Morgan. On se casse. Ça va. On se casse. Putain, regarde. On se casse, viens. Viens, on se casse. Viens, vite. Putain de merde. Vite. Seigneur Jésus. Morgane, viens. Te prions de libérer cet endroit. Nous sommes ici, c'est venus gaffe. Parce qu'on pense aux esprits enfermés dans ce lieu de purgatoire. C'est pas un hasard si on a pu vivre. Fais gaffe derrière toi.
Viens, on se sauve. On se sauve. Putain. Allez, vite. Vite. On regarde, on vient de se faire jeter. On peut pas partir. Non. Il faut qu'on bénisse cette. Oh putain, je l'ai eu. Je l'ai eu. Waouh, t'as vu le tuyau? Il veut nous jeter carrément. On va essayer de passer de l'autre côté. Vas-y, viens. Viens, Morgane. Putain, fais gaffe. Oh là là, Sainte Marie de Péen, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Putain, mort. Waouh, c'est putain de cloque. Putain, on se fait jeter grave. T'as vu les trucs qu'on va le dinguer là, tu les as vu? T'es malade, t'as vu les trucs? On s'est encore fait jeter comme d'habitude, putain. C'est un truc de fou, ça. Ça, c'est un truc de fou. Putain, Morgane, ça va pas? Putain, Morgane, qu'est-ce qu'il y a? Morgane, putain. Ça va pas? Oh, putain, c'est quoi ces grognements de malade? Morgane, pourquoi tu jettes la bille? Putain, fais gaffe, la bille. Oh, putain. Morgane. Oh, putain de merde, qu'est-ce qui se passe, là? Putain, c'est pas possible, bordel de merde. Jésus, Seigneur Jésus, viens nous en aide. Putain, Morgane, tu vas où? Morgane, bordel. Viens là, arrête tes conneries. Viens, va pas là, viens ici. Non, putain, viens là, Morgane, merde. Viens là. Oh, putain. Oh, putain de merde. Morgane, viens là, qu'est-ce qui se passe? Arrête, viens là, qu'est-ce qu'il y a? Morgane, putain. Morgane. Putain, qu'est-ce qu'il y a, bordel de merde? Oh, putain, c'est quoi ce truc de taré? Morgane, c'est... Seigneur Jésus, putain, aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Libère mon ami, Seigneur. Libère Morgane, ton fils. Je t'en prie, Seigneur, bénis-le. Ne le laisse pas se posséder par un phénomène. Oh! C'est putain, Morgane, vas-y, qu'est-ce qui t'arrive? Arrête! Arrête, Morgane, putain. Vas-y, viens. Dégage! Viens, on se casse. Casse-toi! Viens. Dégage! Putain, viens. Morgane, arrête tes conneries, viens vite. Viens là, non, Morgane, putain, viens là. Arrête tes conneries, viens. Viens ici. Non, Morgane, viens ici. Waouh, putain, Seigneur Jésus, bénis cette baraque. Seigneur, bénis cette maison. Je te l'ordonne au nom de Jésus. Je dégage de cette baraque, qui que tu sois, démon. Seigneur, bénis-le. Aide mon homme, aide Morgane. Dégage. Viens là. Morgane, s'il te plaît, viens ici. Je t'en prie, viens là. Seigneur Jésus, on est tes enfants. Bénis-nous. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur, mon Dieu. Putain, c'est un truc de bas. Je me retrouve comme un con, là, bordel de merde. Putain. Oh, putain. Morgane, viens là. Seigneur Jésus, bénis-nous. Viens ici, Morgane. Oh, Seigneur, arrête ce démon. Bénis-le. Sors de lui. Sors de Morgane. Au nom de Jésus, sors de Morgane. Je t'en prie, sur la Bible, sur les anges, l'archange Gabriel et sur la Vierge Marie, je t'en prie, libère mon ami, libère Morgane, je t'en prie au nom de Jésus. Morgane, viens, viens là, on se casse, je t'en prie, viens là, on se casse, on se bat. Putain, Morgane, viens. Ah, putain, ce truc de malade, Morgane, que tu m'as fait, putain. Tu m'as fait un truc de taré, bordel. Putain, tu m'as fait un bizarre. Truc de fou. Je me sens trop bizarre. Viens, retourne vite à la voiture. Oh, putain, tu m'as fait un truc de fou, Morgane. Sérieux, tu m'as fait un truc de fou, pourquoi t'as été là-bas? Je sais pas. T'as été là-bas, pourquoi? Je sais pas. Putain, mais tu te rends compte de ce que t'as fait? Je regardais la cave. Ouais, mais merde, putain. Je regardais la cave et... Tu m'as fait flipper, tu me disais dégage et tout. Blackout. C'est quoi le truc de malade? Ouais, tu viens, on va là, venir. Reste avec moi, ok? Oh. Putain, là, on arrive sur la route. Putain, c'est le délire complet. Et blackout complet, c'est que ça m'est déjà arrivé, c'est une fois. Tu te rends compte ce que tu m'as fait là? Tu te rends compte de ce que tu m'as fait, bordel de merde? Putain! Qu'est-ce que j'ai fait? Sérieux, tu sais quoi? T'as lâché la Bible, t'as lâché la croix, tu t'es mis à crier et tout, dégage et tout, tu prenais une barre en fer. J'ai cru que t'allais me la mettre dans la gueule. J'ai une influence démoniaque. J'ai cru que t'allais me la mettre dans la gueule. Putain, faut qu'on retraverse le bois, ben. Faut qu'on coupe là, Morgane. On y va, on se casse. On va couper là, on va rejoindre la bagnole. Ok, merci d'avoir suivi The Paranormal Urbex. Ciao. Bon, on est sur la route là. Tu fais demi-tour ici? Ouais. J'ai pu reprendre un peu mes esprits. J'ai un blackout complet. Je découvrirai ça au montage. Ouais, putain, j'ai les canons.
Et là, on se perd déjà. Tellement déboussolé qu'on se perd déjà. Tu m'as fait un truc de fou. Je le sentais pas d'entrée de jeu, ce putain de machin. Instantanément. Je te dis, je le sentais pas d'entrée de jeu. Hey, je te jure que moi je me sens vidé. Ces hurlements, tout, j'ai les tripes, je te dis là. J'ai l'impression que c'est en train de de partir. Regarde, même la lune, elle est glauque. Ouais. Putain. C'est un truc dingue. Dans ces moments-là, tout nous paraît glauque et. Il flambe là. Ok. On va clôturer là-dessus. Putain, ce que tu m'as fait, c'est trop. Merci pour vos prières, n'hésitez pas. Faites-en ce que vous voulez. Et c'était Steph et Morgan dans The Paranormal Urbex. Et ciao.